tout le monde, c'est Christo, et donc comme vous pouvez le remarquer, eh bien aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay très particulier. Alors juste avant, je voulais juste vous dire avant de commencer le gameplay, parce que je suis en live, première petite chose, c'est juste, je pense que c'est... Enfin, comment vous dire, à mon avis, enfin mon propre avis en quelques phrases à propos des mods et tout, moi je trouve que c'est pas du tout dérangeant tant qu'on ne va pas embêter une personne ou tout simplement, enfin voilà, tant que ça nie pas les gens, ou surtout dans le mode en ligne. Dans le mode solo, c'est différent parce qu'en gros on joue sur sa session et on embête personne quoi, tant qu'on s'amuse sur le jeu, bah c'est un peu le but. Et je voulais juste vous le dire en fait avant de commencer, parce que bien sûr là c'est un peu modé et bah voilà, il y aura un peu de changement. Et je me suis dit au début peut-être que les gens ils vont pas trop apprécier, donc c'est juste pour vous présenter à peu près tout ça. Alors comment j'ai pu découvrir, donc juste en haut à droite, regardez, en fait j'ai mon petit husky parce que là je suis un animal, hop voilà, et puis j'ai mis aussi un œuf. Alors je sais pas pourquoi j'ai mis l'œuf, le fameux œuf où il y a eu fameux pas mal d'easter eggs, donc là je trouve vraiment kiffant. Et puis on peut prendre des armes et tout, regardez, il prend l'arme comme ça tranquille quoi, au calme. Il prend voilà la lance roquette au calme quoi, il est tranquille, il est bien, hop. Tranquille, on marche avec, on va courir avec. Oh, il y a des passants en plus. Je sais pas si je peux attaquer. Attendez, on va regarder si je peux attaquer. Est-ce que je peux attaquer? Je sais pas, je crois que je peux pas attaquer. Alors là, je vous ai fait afficher en fait le menu. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est sorti environ il y a 3 mois par un anglais ou voilà, c'est sorti il y a pas mal de temps. Et tout simplement, c'est des mods, voilà, qu'on vous propose et tout. Et moi, je me suis dit, allez, pourquoi pas essayer aujourd'hui. Attendez, en fait là, les gens ils comprennent pas que hop, fort. Ah, mais je peux pas les pousser. Cela, j'ai pris le husky en fait. On peut vraiment tout faire au niveau des mods. Et je me suis dit, allez, j'aimerais bien vous le présenter aujourd'hui. Je trouve ça assez drôle. Puis surtout en tant que gameplay, quoi. C'est sympa de voir de nouvelles choses. Puis comme je vous l'ai dit, voilà, je ne vais pas casser la tête à certaines personnes dans le mode en ligne ou me mettre en mode invincible. Alors comment j'ai pu avoir ce mode là en fait, je suis allé, donc bah bien sûr, j'ai, pour les gens qui ne savent pas, donc j'ai ma chaîne, j'ai une chaîne communautaire tout simplement sur principalement sur le Grand Vert Photo, sur le GTA. Et bah j'ai reçu une vidéo d'une personne qui expliquait comment voilà télécharger le mode, et j'ai mis la vidéo sur WhatsApp GTA. Et voilà, ça remet aussi sur la personne qui a tout simplement expliqué comment ça marche. Donc là je suis sur le menu du mode, où en gros je peux faire pas mal de choses, dont modifier en gros mon joueur, comme ici mon Yoski. Au niveau des véhicules, je peux par exemple me spawn dans un véhicule, voler un véhicule ou faire des trucs comme ça. Au niveau des weapons, j'ai pas trop regardé honnêtement, je ne sais pas grand chose. Au niveau de la météo, les gens, la météo c'est super cool, parce qu'en gros je peux par exemple alors choisir la météo que je veux, tout simplement. Ça fait penser un peu bah comme on retrouve actuellement par exemple sur la plateforme PC, mais je peux avancer le temps, c'est à dire que je peux carrément me retrouver comme ici dans le noir et tout, et puis tout d'un coup hop, je me retrouve en plein jour. Oh, je le trouve trop beau. Oh, franchement, il est trop beau. Enfin, bref. Je peux mettre par exemple la neige. Ah, ça, c'est kiffant. C'est des choses qui manquent un peu. Ou le blizzard. Ça, c'est encore plus kiffant. C'est-à-dire que voilà, on va pas vraiment voir grand chose. Ça fait un peu flipper. Ça fait un peu le truc voilà, où il y a des zombies un peu de partout. Après on a la possibilité de mettre juste un peu de neige et tout, ou le mode Christmas, en gros le mode Noël, que je n'ai pas encore trouvé vraiment à quoi ça sert. Il n'y a pas que ça, c'est à dire que normalement voilà, il y a à gauche aussi, c'est à dire encore une autre, enfin là en gros c'est vraiment, je peux faire afficher plein de menus différents à gauche. Enfin bref, peut-être que vous savez déjà à propos de tout ça, donc c'est pour ça que j'ai pas trop rentré dans les détails. Donc je trouve ça super intéressant. Par exemple ici je peux player option, je peux changer, ah on peut d'ailleurs, on peut même mettre des animations sur on peut le même mettre par exemple en god mode, c'est à dire voilà, on est invincible ou des trucs comme ça. Il y a aussi invisibility, ça m'a fait assez rire. Allez hop, je suis invincible, et là je suis plein invincible. Attendez, alors moi tout simplement player option, véhicule option. Hop, je vais revenir. Mode changer. On peut mettre le Yeti aussi. Il y a même. Ah, bah là, ça bug. Ok, normalement, ça bug pas. Sauf que là, je. Voilà, c'est bon. Ah, il y a le Yeti. Il y a le Yeti. Il est énervé. Et on peut même mettre Jésus. Le truc de fou, quoi. Je me suis dit, putain, ils ont même mis Jésus. Il y a le même mode zombie. Enfin, le mode zombie. On va dire vraiment le. Ils ont mis la texture et tout du zombie. Donc ça j'ai trouvé ça. En fait il est super bien foutu en plus, ce zombie quoi. Il est super bien fait. Attendez. Parce que le truc. Ah ouais, en plus je fais des super jumps, regardez. Oh ouais. Chaud. Là j'ai perdu de la vie là, c'est obligé. Ok, bon, le souci c'est que je voulais vite fait en fait braquer une boutique. Je crois que ça va pas être possible. Attendez, on va descendre vite fait. Mais je crois que je vais perdre de la vie, donc ça va être assez embêtant.
Parce que là, je risque de perdre de la vie. Non, ça va? Bon, ça va encore. Il est gentil avec moi. Il est gentil avec moi. Ouais, là, je suis le bon petit zombie. Attendez. Hop! Zut, come on! Allez. Voilà. On va se prendre un véhicule. Parce que je peux pas faire spawn de véhicule ou alors faut que j'aille dans une autre, un autre tableau de mode en fait. Donc c'est assez compliqué. Ah, attendez. Oh, il est vraiment, mais comment je kiffe ces petits modes et tout qui rajoutent. On peut aussi faire pas mal de choses, par exemple, pour spawn à d'autres endroits. Par exemple, je peux me téléporter à l'aéroport, comme je peux me téléporter bah, dans des endroits. Bah, par contre, là, ça, j'ai déjà 3 étoiles, mais par exemple, on peut se téléporter tout simplement à North Yankton, c'est-à-dire dans le. Bah, on va y aller. Vous savez quoi? On va y aller. On va y aller. Sur bah, lorsqu'on commence donc le jeu GTA 5, on se retrouve à cet endroit-là actuellement. Je sais pas pourquoi ça bug. Qu'est-ce que ça me fait là? Parce que là, je tombe dans. À part si tu vas aller dans l'eau, non? Non, ça marche pas. Ok, d'accord, je suis mort. Je sais pas ce qui s'est passé. J'avais essayé ça ce matin, ça a marché. Là, je sais pas pourquoi ça a pas vraiment bien marché. Attendez, on va essayer, on va réessayer. Ouais, on peut vraiment s'incarner en plein d'animaux et tout, ou alors au niveau des persos, franchement, il y a. Ouais, enfin, c'est un truc de dingue, quoi. J'ai trouvé ça super drôle. Attendez. En place, si je veux me mettre en. Non, ça marche pas. Attendez, on va se mettre ailleurs. Voilà, voilà. En tout cas, là, ça a marché. Bon, je suis pas. J'ai eu du mal à me spawn en fait. Bon, je sais pas. J'ai essayé de me spawn, mais je suis pas arrivé. Donc, j'essaierai ça tout à l'heure. Oh putain, il fait des trop gros sauts. Franchement, c'est un truc de fou. Hop, on va mettre le. Moi, franchement, vraiment, ce que je kiffe le plus là, comme je vous l'ai dit, véhicule option. Je n'ai même pas tout vu. Je sais même pas ce que c'est. Il y a des trucs, je sais même pas ce que c'est. Ok, super. Alors, moi, je veux tout simplement voilà, changer la météo. Weather option, smog, foggy. Et moi, ce que j'aime vraiment, c'est bizarre quoi. C'est un truc, regardez-moi ça. Comment c'est kiff, en plus je suis le mode, je suis le zombie quoi. Ça le fait encore mieux. Attends, non. Attendez, je sais pas si j'ai la police. Parce qu'on peut aussi enlever la police. Never wanted. Ok, super, j'ai la police. Alors là les gens, je vais appeler la police. Enfin, je vais les appeler. Et mamie. Ah si, il recharge là ou quoi? Enfin bref, il y a plein de petits trucs, mais surtout ce mode là. Oh là là, avec la. Oh, comment c'est kiffant. Je sais pas, je kiffe trop cette neige comme ça avec le petit brouillard quoi, le petit fog qui sort. Là j'ai 2 étoiles, là, la police ils vont vite venir. Eux si vous voulez, les conditions en fait des modes et tout, ça va pas les gêner la police. Donc je peux mourir très facilement, à part si je me mets en god, en mode god. Regardez-moi ça, comment c'est kiffant. Voir la tête qu'il va voir. Yeah baby, come on. I'm the beau zombie. Ils sont où la police? Bon, allez, on va juste se battre un peu contre eux. Il y a aussi des petits accessoires comme la balle que tu peux la lancer, ça m'a fait assez rire. Allez, tiens, prends la balle. Hey, come on. Ouais, il y a un hélico par contre derrière moi, ça va être chaud là. Ça va être chaud. C'est un peu plus, sinon je vais jamais arriver. Allez, on va avancer. Ouais, donc je peux même, je pense même dans le véhicule, je peux changer en fait de perso. Attendez, quoi. Oh putain, merde, j'ai même pas vu la police. Ah ouais, mais j'ai un véhicule vraiment qui va à 2 à l'heure. On peut même par exemple custom un peu le véhicule alors qu'on est dedans. Là, par exemple, là je peux faire changer la couleur. Attends, fort. Ok. Et après, par exemple, si je veux une couleur, on va dire orange, bah, je m'arrête lorsqu'il va afficher de l'orange en fait, tout simplement. Ou alors je laisse clignoter toutes les couleurs. Bon, ça fait un petit truc. Après il y a des petits trucs vraiment cheatés du style augmenter la vitesse du véhicule. Voilà, là par exemple là elle est augmentée. Donc après ça devient, t'appuies à peine sur l'accélérateur. En fait tu pars à je ne sais combien de kilomètres heure. Hop. Voilà, comme ça là. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'est pour ça que je le mets jamais. C'est impossible. Fix wash véhicule. Ah d'accord, donc ça c'est pour le c'est pour le réparer en fait. Voilà, je l'ai réparé. Ok, d'accord. Bon, en fait, c'est un petit truc de modeur, hein, tout simplement. Hein. C'est comme si vous avez modé alors que ça se fait en 2-2 sur la console, donc c'est assez pratique. Moi, si jamais regardé, vite fait. Attends. Oh, je m'y perds en plus. Il faut que je conduise en même temps, il faut que j'arrive à lire. Parce que je connais pas du tout encore tout. Player option.
Animals, Mode Changer. Voilà, c'est là où on peut vraiment pas se mettre en alien. L'alien aussi, ça peut être drôle. Enfin, mec en alien. Par contre, voilà, vu que c'est modé et tout, on voit pas vraiment. Oh putain! Come on! Le mec, l'alien, oh putain, il est mort. Oh, il est mort. Il est mort d'une façon. Ok. Voilà, en fait, c'était juste une petite présentation. Bon, moi, ça me fait assez rire, mais. Franchement, j'adore le blizzard. Franchement, la météo comme ça, là, waouh! Je me dis, c'est kiffant, quoi. C'est un truc de dingue, ça. Enfin, bref, voilà. C'était juste une petite vidéo. Puis, moi, je pense que je risque d'en faire. Donc, ou quand je vais faire amener des potes chez moi, ou alors quand je demande à ma petite soeur de jouer et tout, ça peut être assez drôle de se taper des petites barres comme ça en prenant le zombie. Hop, désolé. Ah, bah oui, fallait que je te tue. Ah, ouais. Attends, c'est quoi ça? Wave. Ah, d'accord, c'est les animations. Le grand malade, quoi. Le grand malade. Le grand barjo. Aidez-moi. Salut, je suis là. Super. Ok. Bon, bah, ça fait plaisir de te voir en tout cas. Hop. Ok. Attendez, parce que moi, faut que j'arrive à enlever cette animation. Attendez, comment on allume? Voilà, stop playing animation. Ah, parce que sinon, moi, je vais galérer. Attends, j'aimerais bien juste voir au niveau player. Model changer. Ouais, il y a pas mal de choses. Par exemple, human statue. C'est pas mal ça. Ouais. Il y a aussi chocolate muscle. C'est quoi ça? Ah, carrément. Ok. Attendez, j'ai la police en même temps. Ils vont vouloir me tuer. Naked guy, c'est quoi ça? Ah ouais. Topless girl. Ah ouais. Hein? Eh, carrément. Carrément, d'accord, ok. Ok. Ah ouais. Eh, c'est chaud ça. C'est chaud. D'accord. Ok, hein. Who wanna fuck with me? D'accord, ok. Ils sont où, la police? Ils sont partis. Ils ont vu la meuf et tout, ils ont fait laisser une bombe, on la laisse. Ah ouais, ah ça j'avais même pas vu. Oh là 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 là. Ok. Attendez, je me mets comme ça on voit pas trop ces nichons. Voilà. Salut, c'est moi. Ok. Bon. Bah ça fait plaisir, hein. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit bonus comme ça. Là on a une femme quasiment à poil. Heureusement qu'elle est pas à poil en bas. Ça aurait été plus vraiment un jeu. Un GTA, quoi, là, ça aurait été quelque chose d'autre. Attends, moi, je m'y perds vraiment, hein, c'est un truc de dingue. Je suis un peu con aussi en même temps. Topless girl, animal. Ok, ouais, donc là, on peut vraiment... Coyote. Est-ce que je peux... être un pigeon? Non, je peux pas être un pigeon. Ah, on peut choisir tous les types de chiens. D'accord, c'est mignon comme tout. Oh, lui, il est pas très beau, c'est pas mon style. Ah, il court avec l'arme. Ça me fait planer, ça. Il court avec l'arme. Ok. Super. Bon, merci à vous tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Vous faites comme vous voulez. Voilà, c'est une petite présentation. Peut-être je ferai des vidéos dessus et tout. Ça me fait assez rire, moi, honnêtement. Et wow, comment je kiffe la brume. Attendez, comment il monte l'échelle? Il peut la monter l'échelle ou pas? Oh non. Il arrive pas. Oh putain, il arrive pas. Attends. Mec, tu vas mourir, mec. Attends. Eh, tu vas mourir. Ah bah, je te l'ai dit. En plus, c'est les couilles en l'air et tout. Tout va bien. Ok, super. Puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Peace out.